Bonsoir les amis. Salam alaikum l'ikhwan. Voilà pour vous le journal Le Vinar pour le quinté du samedi 10 août 2024 à Deauville avec page course par course. On commence dans l'Ikhwan, quinté de samedi, Deauville. Le journal dit samedi, dimanche, lundi. Voilà, samedi à Deauville, handicap divisé, plat, 16 partants. Voilà. Prix des greniers à sel, 53 000 euros. Handicap divisé, première épreuve, classe 2, la distance 2000 mètres. Voilà, on commence par les jockeys, les chevaux. Voilà. Alors, le 1, Everello, Mondizabal, corde 16, Hunger, 5 ans. Le 2, Morfouane. Barzalona, corde 11, mal 4 ans. Le 3, l'Orcane, H-le-Bouc, corde 1, mal 4 ans. Le 4, Jet 7, Guillon, corde 7, hanger 7 ans. Le 5, Noir, Tétrulier, corde 8, femelle 4 ans. Le 6, Royal Rides, Tebachelo, corde 12, hanger 6 ans. Le 7, Khoshinko, Tepikon, corde 15, hanger 9 ans. Le 8, Tender Speed, Soumillon, corde 9, mal 7 ans. Le 9, Népali, Sedimero, corde 4, hanger 6 ans. Le 10, Sniglez, Ashbisnié, corde 2, femelle 4 ans. Le 11, Santorina, Espasqui, corde 13, femelle 4 ans. Le 12, Pingo, c'est le cœur, corde 6, femelle 6 ans. Le 13, Ayam Bolièvre, Apouchin, corde 10, hanger 4 ans. Le 14, Chiarigio, à le maître, corde 3, hanger 4 ans. Le 15, Bobby Murphy, à Orani, corde 5, mal 6 ans. Le 16, Force Tranquille, E Hardwin, corde 14, femelle 5 ans. Voilà, on va diminuer la dimension du programme pour pouvoir le dominer. Voilà, comme ça. Alors, le 3, le 10, le 11, le 13, porte les œillères. Je répète, le 3, le 10, le 11, le 13, porte les œillères. Le 4, le 5, le 7, le 9, porte les œillères australiens. Le 3, le 10, le 11, le 13, porte les œillères. Le 4, le 5, le 7, le 9, porte les œillères australiens. Alors, notre quinté rassemble les femelles mâles et hanger de 4 à 9 ans. On continue avec... Voilà le conseil du professionnel Fabrice Chappé. Voilà son pronostic, 9, 3, 1, 2, 8, 14, 6, 13. L'interdit du tiercé, Snuggles, de 10, pas son terrain. Repéré sur les pistes par nos reporters, Chiarigio, numéro 14. Dernière minute, le 8, Tender Speed. Le terrain, lisse à 3 mètres. 3 mètres au départ. Lisse, terrain probable, bon souple à bon départ à 15h15. La synthèse du statisticien, 14, 8, 9, 1, 5, 3, 2, 4. Je répète, la synthèse du statisticien, 14, 8, 9 à 5, 3, 2, 4. L'interdit du tiercé, le 10.
Repéré sur les pistes le 14, dernière minute le 8. Voilà l'opinion du professionnel Fabrice Chappé. Vous pouvez le lire dans 30 secondes ou bien 40 secondes. Voilà, dans ce quintet, sur les 2000 mètres de la piste en gazon, je serai doublement représenté avec Népalais Ayan Bilievre. Népalais a connu bien des malheurs dans le quintet du 14 juillet à Chantilly sur 1800 mètres, n'ayant pas ses aises dans la ligne d'arrivée alors qu'il avait les moyens de faire mieux. Son jockey, Christian Dimero, l'a logiquement respecté pour finir et je vous conseille de le racheter en confiance au vu de sa troisième place précédemment dans un grand handicap le 6 juin à Chantilly. Terrain et distance seront à son entière convenance. Quant à son compagnon de boxe, Ayam Belièvre, il a été défendu par ses propriétaires à la suite de sa deuxième place à réclamer le 22 juillet à Compiègne sur 2400 mètres. Il me montrait de mieux ce jour-là après quelques échecs consécutifs pour son retour à ce niveau. C'est à mon sens un outsider séduisant, même si je lui préfère légèrement Népalais. Les chevaux à battre seront l'Orcan, jugé sur sa vraie valeur cette saison, et Verilo le 1, le cheval de classe du lot portant beaucoup de poids. Morfouane, deuxième d'un quintet similaire le 21 juillet à La Teste. Tender Speed, proche d'un succès dans cette catégorie. Chiara Hergio, le 14 en mieux et jouant à domicile, ainsi que Royal Rights d'une régularité de métronome. Voilà ce qu'ils ont écrit sur le repéré sur les pistes. Voilà quelques lignes. Alors le 14 s'est bien comporté en s'octroyant la cinquième place d'un quintet sur 1900 mètres. Piste en sable fibré le 28 juillet à Deauville à ce. Est-ce, malgré un parcours peu évident à l'extérieur du peloton, ayant parfaitement récupéré de ses efforts, nul doute qu'il a les moyens de faire encore mieux, comme l'a confirmé son entraîneur Marcus Niger à notre reporter Jonathan Caparo. J'ai été satisfait de sa dernière course, car il a dû voyager en épaisseur dans une épreuve qui avantage les chevaux progression côté corde. Finalement, je pense que cette piste en sable fibré l'année n'est pas son fort et qu'il sera vraiment mieux sur le gazon. Son numéro 3 dans les boîtes est une bonne nouvelle car il pourra être caché. Chia Reggio n'aura pas de déplacement à faire. Je pars confiant pour disputer les premières places. On continue. Voilà. Les performances, les entraîneurs, les cotes et l'opinion du vinard. Voilà, je pourrais diminuer la dimension de la page pour pouvoir dominer le programme. Alors, comme ça, c'est bien. Alors, voilà les cotes, mes amis. Le 1, 8, le 2, 6, le 3, 10, le 4, 9, le 5, 14, le 6, 11, le 7, 21, le 8, 7, le 9, 6, le 10, 30, le 11, 19, le 12, 26, le 13, 15, le 14, 10, le 15, 25, le 16, 27. On continue avec. Alors, Vermeulen avait deux chevaux, le 6 et le 15, meilleur entraîneur. Voilà l'opinion du Vinard, le 1 au top base. 8 contre 1, le 2, confirmation attendue, le 3, racheté-le, le 4, encore compétitif, indifférent à l'état du terrain, le 5, à ne pas éliminer, le 6, le regret. Le 7, affaire d'impression, le 8, dernière minute, peut employer toutes les tactiques. Le 9, notre consultant y compte priorité. Le 10, pas simple, nous la préférons en terrain bien souple. Le 11, des doutes. Le 12, nous attendrons. Le 13, notre outsider préféré. Le 14, entraîneur optimiste, oui. Le 15, pas mieux. Le 16,
ne possède désormais aucune marge face à tel adversaire. 27 contre 1. Voilà le pronostic du vinard. Je choisis une de base 8 As Outsider 14 9 3 2 4 13. Je répète, je choisis une de base 8 As. On leur associe les outsiders tels que 14 9 3 2 4 13. Donc le pronostic du vinard, je choisis une de base 8 As. On leur associe les outsiders suivants 14 9 3 2 4 13. On continue mes amis avec des pages course par course de réunion. Voilà. Samedi à Deauville, réunion 1. Voilà la première course. La première course, 7 partants, dernière minute le 3, repérer le 2. La sixième course, dernière minute le 2, repérer le 8. La deuxième course, dernière minute le 1, repérer le 8. La huitième, dernière minute le 13, repérer le 7. La troisième, dernière minute le 7, repérer le 1. La neuvième, dernière minute le 7, repérer le 6. La cinquième course, dernière minute Star From the East, le 5, repéré sur les pistes Miss Woodwood, numéro 14. Voilà la réunion 3 à Ingen, je pense c'est de l'atelier. Alors, première course, dernière minute le 3, repéré le 8. La cinquième course, dernière minute le 8, Kovola, repéré le numéro 3, Kingham. Voilà la deuxième et la sixième. La deuxième course, dernière minute le 4, Lina Dvondel. Repéré sur les pistes, Louvre de Dido, numéro 2. La sixième course, dernière minute, le 6, Dimitrio. Repéré sur les pistes, Jaguar Bourbon, numéro 2. La troisième course, dernière minute, le 1, éditeur Laravel. Repéré sur les pistes, Dorandrem, numéro 5. La septième course, dernière minute, Leder Dempt. Repéré sur les pistes, Leder de Jude, numéro 9. La quatrième course, dernière minute, le 2. Repéré sur les pistes, le 7, Kamakwik. La huitième course, dernière minute, le 14, Diego de Colgène. Repéré sur les pistes, Marion Foutibon, numéro 4. Voilà le pic 5 avec réunion 1, 7e course. Voilà le pronostic du vinage. J'ai choisi un 6, outsider 3, 2, 8, 12, 15, 9. Dernière minute, le 6, la synthèse du statisticien 2, 3, 15, 13, 1, 6, 4, 12. Repéré sur les pistes, le 1. Le conseil du professionnel Fabrice Chappé. Voilà son pronostic de 1, 6, 15, 3, 13, 8, 4. Repéré sur les pistes numéro 1, Asrar. Voilà le pic 5, réunion 4, course 3. Le pronostic du vinage choisi, 3, 6, outsider 8, 5, As 2, 4, 7. La synthèse du statisticien, 3, 2, 6, 8, 5, 1, 7, 4. Dernière minute, le 5, repéré sur les pistes, Honeck numéro 3. Le conseil du professionnel Pierre Verquist, voilà son pronostic, 3, 8, 6, 2, 5, As, 7, 4. On continue, samedi à Argentan, réunion 4, voilà 8 courses. La première course, 8, 3, 6, 7, 5. La deuxième course, le pronostic du vinard, 4, 7, 5, 8, 9, 14, 12. Le 4, quatrième course, pas de troisième course, quatrième course, 4, 5, 3, 6, 10, 2. La cinquième, le prono du vinard, 5, 4, 6, 8, 10. La sixième, la septième et la huitième. À la prochaine vidéo avec d'autres journaux. Merci infiniment pour vos likes et vos commentaires. Même si la majorité des amis ne tape plus le pouce, mais pas grave, de toute façon là,
Même si la minorité, je suis très fier, je les encourage. Grand chapeau, mes amis. Merci infiniment pour votre soutien.